Salut à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode de cette aventure, cette map survie Sky Element. Alors oui, j'ai changé un peu mon skin. Ouf. De toute façon, c'est que des skins temporaires. Hein. Je suis Herobrine en chevalier, on va dire. Oui, du coup. Voilà, c'était juste pour parler vite fait du skin. Je me suis fait pas mal de bois. J'ai aménagé, vous voyez. J'ai complètement coupé ça pour faire pousser du bois. J'ai refait le petit pont, histoire de faire quelque chose. J'ai exhumé, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Bon, ça c'est pas beau par contre, on va l'enlever. Enfin, j'ai sorti de terre. Oui, je suis tombé au fait. J'ai perdu pas mal de trucs, donc pour l'instant je fais pas trop le con. Mais j'ai sorti de terre en fait les ruines. Il y avait pas mal de trucs à améliorer. Bon, j'ai mis quelques pierres et par-ci par-là, histoire d'essayer de faire un peu runique. C'est pas français, mais c'est pas grave. Donc voilà. Voilà, comme ça au moins on aura le spawner, les trois spawners du coup dedans. Que j'ai bien fait d'ailleurs de pas supprimer le spawner de zombies parce que vous verrez, je vous expliquerai un peu plus tard. J'ai fait le petit, ouais, c'est pas grave. J'ai fait le petit pont pour aller donc du coup au monument. Voilà, je crois que c'est tout. Ah ben non, oui non c'est pas tout. On va aller y voir directement. Programme d'aujourd'hui, soit on fait une tour pour aller là, soit on va dans la jungle. Je sais pas encore. Je ne sais pas encore, je verrai. Alors, voilà. Ce que je voulais vous montrer. Hop là, on va y aller. Allez, allez. Alors, je sais pas si je pourrais y aller. Bon, vous entendez déjà les portes. C'est un indice pas mal déjà. Voilà, donc du coup j'ai un peu tout organisé. Là il y a un spawner à cocher en fait, je suis en train de penser. Et bon, ça je ferai du off, hein. De toute façon vous inquiétez pas. J'ai fait pas mal de off du coup comme vous avez pu le remarquer. J'ai fait pousser pas mal d'arbres, j'ai vachement de ressources maintenant. On reste là-bas. Oui du coup tous mes trucs c'est en pierre. Peut-être je pourrais miner du fer mais pour l'instant j'évite. Donc là j'ai un spawner à cocher, il faudra que j'aille y faire un accès. Salut toi! Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, un PNJ. En fait, j'avais 14 spawn villagers. J'en ai utilisé 7, la moitié, au cas où j'ai pas bien éclairé. Vous savez, s'il y a des zombies qui spawnent, après je suis niqué. J'aurais perdu tous mes villageois pour rien. Donc voilà. Donc voilà, j'ai un peu de tout. Fletcher, c'est quoi? Ok. Bah, lui, en tout cas, il me sera utile pour mon arc, ça c'est cool. Mon arc, du coup, j'ai perdu l'autre, mais bon, j'avais l'autre Power 2 Unbreaking 1, déjà qui est pas mal. Je sais pas, après, j'ai un boucher, ouais. Ah, le boucher qui est intéressant, puisque si je vais chercher le spawner de cochon, bah, je pourrais me faire des émeraudes à l'infini. Ça, non, mais après, et après je débloquerai certainement d'autres trades. J'ai pas de cana. Je suis en train de penser, mais sinon, après, ouais, ils ont des enchantes pas mal. J'avais regardé un peu l'armorer qui est pas mal, mais qui est intéressant, on va dire. Ça va avec 6 émeraudes, ouais, ça va, c'est pas trop mal. Lui, je sais plus ce qu'il avait, Blast Protection. Non, c'est pas lui. Il y en avait un autre qui avait un truc un peu plus intéressant. Enfin, bon, bref, donc voilà mon petit village. Et toi, le clair, ouais, voilà, c'est pour ça que j'ai bien fait de pas supprimer en fait le. Comment dire le spawner de zombies parce que bon je pourrais me faire des émeraudes. Bon là non, avec de l'or carrément. Et bon bah là il y a de la glace mais bon il faudrait que je change ça. Mais je sais pas si j'ai du sable, je dois avoir une île avec du sable et tout ça. Bon là il y a plein de minerais que j'ai pas fait, que j'ai pas pris. En fait en off j'ai surtout amélioré l'île, j'ai pas miné. Certainement qu'entre cet épisode et le prochain peut-être je minerai bah, notamment les diams, le fer surtout. Le diam surtout, oui, mais bon, voilà, vous m'avez compris. Il faudrait que je mine tout ça. Du coup, je laisse un peu de tout ce qui est mince, tout ce qui est émeraude, je le laisse dans le coffre là-bas en bas, parce que bon, c'est, je l'utiliserai pas en dehors du villageois, parce que je ne peux pas me faire un bloc de d'émeraude, je le rappelle. Voilà. Rien de plus là-dedans, je crois pas. Hein. Non, je crois pas. Bah, là, vous voyez, je pourrais peut-être avoir une émeraude. Ou alors c'était 36, je sais plus. J'en sais rien. Sinon, ça marche toujours aussi bien. Voilà. Voilà. Du coup. Non. Ça c'est mon truc à bloc.
J'en ai masse, hein. Du coup, la cobble, en fait, en sortant un peu les ruines là-bas, je me suis fait masse dirt, masse cobble. Refait. J'étais refait. Ouais, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir ce bateau volant. Faudrait qu'on y aille aussi là-bas pour aller voir l'avion. Il y a un autre bateau volant là-bas. Il y a plein de trucs, de toute façon, qu'on a à voir. Ça peut être intéressant. Notamment ce que j'ai appelé la forteresse de solitude de Superman. Mais ça, faudra qu'on aille le voir, clairement. Clairement, je suis en combien de... Attendez. Chunk, on va le mettre à 16. Ouais, 16. Ouais, ça ramera pas, mais... Ouais, voilà. Ouais, voilà. Non, mais qu'on voit un peu plus loin, quoi. Bon. C'est joli, hein, les boules. Hein. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Bon. Allez, allons-y. Là, c'est perdu de temps. Non. Pas ça. On va prendre la dirt. J'en prends masse. Parce que... bon, j'ai des stone shovel. Je vais peut-être m'en faire une autre quand même. On sait jamais. Ah, voilà. Hop là. Parce que ouais, je sais pas combien de temps il va me falloir. Je sais plus cliquer. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est bon. Alors. Oh, voilà, de la bouffe en plus. Alors, je vous propose qu'on commence le tour. Là, je devrais avancer un peu, mais ouais, on va le faire là. Écoutez, on va essayer de pas tomber. Il y a toujours le cochon là que vous voyez un peu plus haut. Il bouge pas de là. Il est bien là-bas. Enfin bon. Ah, du coup, on voit un peu l'île du dessus. C'est pas mal. Là, il faudrait que je fasse une maison, clairement. Mais au final, ça va. Je pensais. C'est un peu comment dire, le pont, moi, qui me dérange un peu. Il faudrait pas que je le fasse aller aussi loin. Il faudrait qu'on aille voir aussi ce coffre là-bas, il y a plein de trucs qu'on doit avoir. Ah, ça va, j'étais pas loin. C'est un truc de Pringles, oui. Bon, bref. Voilà, on est à peu près au niveau. Ah. Par contre, j'avais pas pensé à ça. On détruit les spawners directs. Non, attendez. On va plutôt y foutre des torches. Ça limitera au moins le spawn. En plus, il fait pas nuit, donc bon, ça va. On sera pas trop mal. Voyons voir. Qu'y a-t-il en haut de la vigie? Oh, un diamant, super. Et des émeraudes. Super! Bah, je me mets bien, honnêtement. Ouh. C'est juste un spawner de squelette normal, là. Ouais. J'en ai déjà un. J'en ai déjà un. En plus, c'est dangereux, ça. Ah, merde, j'ai pas de Feather Felling. Attendez, j'ai un lit. Oui. Alors non, on va pas prendre la laine. Ah, j'aimerais bien qu'il y ait une laine justement dans ce bateau. Parce que ça doit être un donjon au final. Ouhouhou! Oh, wow, wow. Attendez, laissez-moi monter. Ah merde, mais je suis clairement pas équipé, mais... Ah, il faudrait que j'aille éclairer. À la limite, ce que je peux faire, c'est... Relais! Non, bah, j'ai pas assez éclairé. Non, en plus, je vais pas descendre. Non, je pensais. Alors, clairement, le soleil, il est où? Juste parce que je. Ouais, voilà, je le sens mal. Alors, désolé. T'avais l'air très sympathique, mais. Je ne veux pas courir de risque. Surtout que, bon, c'est un bateau, peut-être je reviendrai pas. À part pour le bois, peut-être. Ce qui serait pas bête. Je le torche un peu. J'aimerais pas que ça se mette à spawner en haut. Ah, il y en a un qui s'est pris le bois. Bon, je le referme, je suis gentil. Il n'y a pas de sens. Ah, ça y est, il commence à sortir. Ah, mais lâche-moi. Oh, non, sérieux. Ah, mais ça va. En fait. Tant que j'éclairerai pas les spawners, ça va me faire chier. Voilà, ce sera déjà un peu mieux éclairé. J'aurai un peu plus de chances de m'en sortir. Un peu plus. Par contre, un spawner de squelette, ouais, ils peuvent looter des arcs enchantes, ça c'est intéressant. C'est même plutôt intéressant, oui. Eh ben.
Honnêtement, c'est parfait pour les, pour tout ce qui est flèche et tout. Ouh! Alors lui, il a le knockback. Allez, c'est bon, il est mort. Par contre, moi, je suis non. En fait, non, c'est... ça va pas être possible. Tu veux voir un peu? Où c'est qu'il y avait un spawner? J'ai l'impression de glisser, c'est moi ou qu'est-ce qui se passe là? Ah, voilà. Captain Jack! C'est Jack Sparrow! Ah, tu vas mourir. Ah ouais, mais d'accord, paye ça à la vie qu'ils ont, les gars. Ok! Bah, je pense qu'on va s'arrêter ici pour l'exploration de ce truc. Ou à part si. Dégage, putain. Mais comment il me touche, lui? Pff. Allez, dégagez. Et comment je le touche pas, moi? Mais c'est incroyable. Ah. Dégagez. C'est bon? Non. C'est pas bon. C'est incroyable qu'elle me touche, mais bon, bref. Non, je... Ouais, non. Ça, c'est bon. Ça fera pas. Ça fera pas. Ou alors, il faudrait que je redescende et que je revienne deux jours. Merde, qu'est-ce que je fais? Ouais, pourquoi pas. On va descendre, on va faire passer la nuit, c'est ce que, ouais, c'est peut-être la meilleure idée pour l'instant. Et je sais pas, hop là, j'ai bien fait. Ah, c'est sûr qu'une une pelle en fer, ça irait mieux vite, mais bon. Oh, voilà, on va le laisser là. Allez, faisons dodo. Clairement, comment je peux mieux me préparer à ça? Bah après il me faudrait du stuff un peu mieux, mais pff, j'ai du diams à la limite, mais ouais, j'en sais rien, j'ai pas trop envie de le Everest là. J'ai du diams à la limite, ouais. À la limite. J'arrête de dire à la limite déjà, et on va se faire une épée en diams. J'ai bien envie de le clean, ce bateau. Ok, ah oui, déjà, un truc de pas bon. Alors. Hop là. Ouais, c'est un peu la loose, mais c'est ce que je m'apprête à faire. Attendez. Hop, on va pas user notre... Alors, il m'en faut juste 4. C'est un peu la loose, hein. Honnêtement, ce que je m'apprête à faire, c'est... Certains auront compris, mais... attends, j'en ai 3. Eh, merci, tu es gentil. Tu as été... Merde, très collaboratif. Hop là. Attention, je n'ai pas créé cette armure. Putain, lustre. Ça, c'est vraiment l'armure qui ne sert à rien, l'armure en cuir. Tu trouves du fer assez vite, de toute façon, dans Minecraft, donc... Je sais même pas s'il y en a qui l'utilisent encore. Enfin, ouais. Après, si t'as pas le choix, ouais. Oui, comme là, bon... Pff. J'ai pas vraiment envie d'utiliser... Enfin, d'user mon... mon diamant. Parce que je sais pas combien j'en aurai, au final. Je peux en miner aussi pas mal, mais... On va dire que je fais le rat là, et puis bon, on verra si j'ai raison ou pas de faire le rat. Voilà. Donc. Les gars. Bain de soleil. Eh oui, ça fait mal, hein. Bah, c'est normal. Putain. Il y en a même des squelettes qui chevauchent les araignées, putain. Je sais pas si j'en avais déjà vu, si, je crois. Des petits zombies qui chevauchent des poulets, oui, ça c'est sûr. J'ai déjà vu. Vous ne mourrez pas. Ouh, Wither squelette. Ah bah là, c'est bon, je suis mort. Je suis mort. Ah oui, là, c'est sûr. Oh, non, sérieux, je suis pas mort. Eh ben... J'ai bien fait de faire ça. Non, je déconne, c'est certainement pas ça qui m'a tenu en vie, mais... Oh, comment j'ai fait? C'est le GG.
C'est le GG, il faut avouer. C'est honteux, c'est honteux, j'ai un peu honte, c'est pas grave. Putain, piller le truc par en dessous, mais non, mais j'ai aucun honneur. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, on va régène petit à petit. Ouais, j'ai pu faire pas mal de trucs, enfin, calmer un peu le jeu, on va dire. Mais bon, c'est pas encore ça. Mais ce qu'il y a, c'est que je peux pas les atteindre de là en fait. Donc je serais obligé de descendre. Ou alors. Qu'est-ce qui se passe? Je. Oui? Je les défonce de là. Je peux. Oui. Oh, en plus. Wow, wow, wow. Non, pas les withers. Dégage, dégage. Putain, un arc enchante. Je me demande quel enchant c'est. Putain, je joue en rat, mais bon. C'est pas grave. Non, mais honnêtement, je pensais pas que ce bateau il allait être aussi hard quoi. Des withers squelettes en armure. Enfin, vous avez vu l'armure quoi. C'est pas de la merde. Dégage. Les autres, je les fais en 2-2, mais. Wow, wow, dégage. Voilà. Combien j'ai de flèches? Parce que je sens que je vais plus en avoir assez. Ouais. Allez, dégage. Ok. Vite, que je détruise ça. Je stresse un peu, mais ça passe. C'est bon là. Ok. Il en reste encore là-bas. Ouais, j'ai vu. Pfiou. Alors là, j'ai pas beaucoup parlé, j'étais un peu concentré. Dégage, toi. M'approche pas. Oh, pfiou. Bon, on aura fait ça. The Captain Knife. Ok, on aura looté le couteau du Captain. Allez, dégage, toi. Voilà. Et mais au final. Non, bon, j'arrête. Oh, la fatigue. Je prends tout ça. Enfin, je prends tout le fil. Si jamais. Bah, déjà, parce que pour que ça arrête de m'emmerder, et puis voilà. Alors, j'espère que Sharpness 3 Unbreaking 4, Fire Aspect 5. Oh, oh j'adore! Attends, 7 attaques et je fais 8,5. 8,75? Attaque damage. Ok, j'ai une meilleure épée que mon épée en diops que j'ai crafté. Donc en fait, ça servait strictement à rien, puisque en plus je ne l'ai pas utilisé, de crafter mon épée en diops. Je sens la loose. C'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce qu'il y a quelque chose dessous? Je sais pas. On sait jamais. Ça me fera toujours du bois, remarquez, mais. Ah ouais, je peux carrément le piller au niveau du bois par contre. Ouais. Bon bah. Il semble y avoir rien en dessous. Je crois que ça c'est clean du coup. Ok! Je suis refait pour l'arme que j'ai eue déjà. J'ai eu une arme de malade. Qui va me permettre. Mais en fait, si ça c'est un donjon de base, je pense que j'ai besoin d'une épée enchante comme ça pour gérer les autres. Parce que sinon ça le fera pas. Enfin bon. Bon, du coup, on aura fait dans cet épisode le bateau. Je pensais faire plus, mais en fait, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien gardé. Mais bon, c'est pas grave. Bon, par contre, toi.
Dégage. N'importe quoi. Ouais, voilà. Je sais plus s'il y était, bon c'est pas grave s'il y était en plus je crois. Merde. Un peu, on va pas... on va pas aller dire mon île plus que ça. Mais d'ailleurs, c'était quoi? Pauvre, hein. Ouais. Non, c'est bien, mais ouais, c'est pas... c'est... y a mieux quoi. Par contre, j'ai eu masse minerai, ça c'est cool. Il faut que je range aussi, je sais. Mais bon, ça voilà. J'avais pas un... Welcome. Le jams, ça va aller là. Attendez, fais voir ça un peu. Tu colles. Oh. Vas-y, voilà. Tadam. Non. Ouais, allez, écoutez. On va laisser ça. Et on va... J'ai pas de gravel, ça me fait penser, parce que... Si... Ouais, de toute façon, j'ai pas de poulet pour me faire des flèches. Bah pour me faire des flèches, en fait, j'aurais que ce spawner. Parce que bon, là aussi, pareil, si je devais monter en haut. T'as d'ailleurs la tête de Pringles. Elle est bien faite, hein. Mais bon, ouais. Je sais pas. Un autre truc que j'aimerais bien aller voir, c'est ce machin là-bas. Subscribe. Ah oui. Ah oui, c'est vrai, je l'ai pas dit. Je l'ai peut-être pas dit, mais la map a été faite. Enfin, c'est marqué multi-bolet. Il y a looting, non? Ah ouais, il y a looting 2. Ok. Multi-bolet et bah, apparemment Kitty Devin aussi. Devin, je sais pas. Mais bon, oui, du coup, j'ai oublié de le lire. Donc, bon, multi-bolet, c'est sûr. Kitty Devin, je sais pas. Ça doit être un autre joueur, je pense. Mais bon, n'hésitez pas à vous inscrire à leur chaîne. Mais à mon avis, ce sera une chaîne anglaise si vous êtes français et que vous regardez cette vidéo. Ce qui est probablement largement le cas. Et puis voilà. Enfin, si vous aimez prendre l'anglais en regardant des vidéos en anglais, peut-être ça peut être pas mal. Je sais pas, j'ai pas été voir. En tout cas, leur map est super bien. Wow. Je sais pas. Il y a tellement de trucs à visiter sur cette map. Enfin bon, bon bah du coup, ce sera ça pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.